Hey, salut à toutes et à tous, c'est Idan, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo Dokkan Battle, donc vraiment une première vidéo sur ma chaîne sur Dokkan Battle. C'est un jeu que j'apprécie énormément, sur lequel je joue depuis longtemps, vu que, si je peux vous montrer, il est là, voilà. J'ai eu le beaucoup des 1000 jours, donc 1000 jours de connexion sur Dokkan Battle. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une première présentation sur les portails de Goku SSJ4 et Vegeta SSJ4 LR pour les 4 ans. Donc comme vous pouvez voir, j'ai 1150 DS et oui, j'ai packé afin de me faire plaisir pour les 4 ans. On espère repartir avec pas mal de cartes car il faut savoir, beaucoup de cartes me manquent à l'heure actuelle. Donc je serais assez content si je pouvais avoir au moins un des deux LR qui sont sur le portail. Et après si j'ai les autres cartes, je serais content, mais quand même un peu moins que si j'avais eu le LR quand même des 4 ans. Donc sur le portail de Goku SSJ4, donc forcément on a Goku SSJ4 LR. On a Vegeto LR, donc celui-là je ne l'ai toujours pas. On a le Goku multiforme que je n'ai pas. Le Jiren puissance qui, pour moi j'ai déjà, donc ça m'intéresse pas. Le Migaté que j'ai déjà avec un ou deux doublons, donc il m'intéresse beaucoup moins. Et le Golden Freezer que je n'ai toujours pas, et on ne parle pas du coup du Goku SSJ4 puissance qui est là pour nous troller, bien sûr. Je l'ai avec 3 doublons, donc à 90%. De ce fait là, il ne m'intéresse pas du tout. En notre SSR, on a le Goku Kaioken Tech que j'ai pas énormément, je dois peut-être l'avoir une ou deux fois. Le Goku le Goku Agilité avec Majin Vegeta en fond qui m'intéresse pas mal, et le Goku du coup SSJGT qui obtient son éveil pendant les 4 ans, comme le Goku Agilité qui obtient aussi un éveil. En fait les 3 cartes que je viens de parler obtiennent un éveil avec les 4 ans. Donc c'est très intéressant, j'espère choper au moins un des deux LR, ça serait bien sympathique. Et pour le portail de Vegeta, alors là c'est encore pire que celui de Goku, même si pour l'instant je vais invoquer sur le portail de Goku pour la lignée de Goku. Donc sur le portail de Vegeta, on a Vegeta SSJ4 puis, que je n'ai pas. Le Gogeta Endurance LR, que je n'ai pas non plus. C17 MVP, je n'ai pas. Vegeta Blue Evolution, je n'ai pas. Freezer MF, je n'ai pas. Thales, j'ai 2 ou 3 doublons dessus, donc il ne m'intéresse pas, même si on n'a pas vu beaucoup. Et le Vegeta SSJ4 Agilité qui est là pour nous troller. Sur les autres SSR, on a le Vegeta Puissance Majin Vegeta qui est en partenariat entre guillemets avec le Goku Agi de l'autre portail. On a le Vegeta Endurance de l'arc Vegeta contre Goku qui obtient aussi son éveil aux 4 ans et qui est vraiment excellent. Et on a le Trunks Agilité qui devient légèrement potable. Donc quand on fait le ratio, j'ai beaucoup plus de personnages à aller chercher sur le portail de Vegeta que sur le portail de Goku, mais voilà, à un moment donné, c'est la passion, c'est le cœur qui parle, donc j'irai chercher d'abord le Goku, et si jamais on drop le Goku très vite, je vais direct sur le portail de Vegeta, parce que les personnages manquants sur le portail de Vegeta sont quand même de meilleure qualité que ceux qui sont sur le portail de Goku. Donc voilà, j'espère qu'on va dropper du lourd, les 4 ans sont dans maintenant 45 minutes pour moi. On espère vraiment avoir du lourd. Je peux vous montrer un petit peu ma box en attendant, juste pour que vous voyez un petit peu ce que j'ai eu. Je vais pas dire que je suis un pay to play, mais disons que voilà, j'ai dû mettre quelques pattes quand même dans le jeu. Mais voilà, si tout est là, donc le Goku, le Broly que j'ai eu sur 3 multi, très content d'avoir eu sur 3 multi. Le Yamcha du TB, le Gohan du Battle Road, que je n'ai toujours pas fini pour l'instant, le Vegeta gratuit, le Goku Arale gratuit, le couleur du coup du Battlefield. Donc j'ai eu Gotenks, j'étais assez content d'avoir Gotenks, Vegeta LR, Majin, du coup. Après, comme vous voyez, hein, Beerus, Trunks, le Goku Freezer que j'ai eu lors de son apparition, j'étais très content aussi. J'ai une chance incroyable. Bon, du coup, pour l'instant, le Tenchinan, on fait pas attention. Il n'y a même pas encore. Je crois que j'ai même pas encore mis tous les doublons dessus. Non, j'ai 0 doublons et je crois que je dois en avoir qu'un seul qui traîne dans ma box. Si je dis pas de bêtises. Donc voilà, un petit peu tous les personnages que j'ai aujourd'hui. Et puis, on se retrouve juste après pour la partie invocation. Allez, à tout de suite. Hey, salut à toutes et à tous. On se retrouve du coup pour les invocations. Le portail vient d'arriver, 3h59, 59 minutes et 36 secondes. On va aller checker le détecteur. On a vu qu'on avait les pièces pour avoir les prochaines cartes gratuites. Donc le Goku 4 qui fait plaisir, le Vegeto. Ah là là, toutes les personnes que je vous avais dit sont bien présentes. Et on est parti, 3x30.
Et on prie. Et on prie. Allez, c'est parti. Les 4 ans sont là. Ouh, Vegeta. 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 Ah. Oh. Fusion. Oh, ah, ça peut être, ça peut être, ça peut être, ça peut être. Oh, sur la première multi, si ça pouvait l'être. Oh, ce serait beau. Ok, c'est 16. Ou le switch? Non. Ah, pas le switch. Pardon. Le stress monte. Le stress monte. On a 1000 DS pour aller chercher. Oh, le switch! Le switch! Oh, migaté. Oh, c'est juste migaté. Oh là là. Oh là là, juste migaté. Et Kefla. Enfin, Calais plutôt. Oh là 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 là. Oh la fusion. Ah, et puis on a les tickets, c'est vrai. Oh, ça va être une tuerie ces 4 ans. Ça va être une tuerie. Chaozu. Ouais, super. Kamehame. Donc on va faire plusieurs vidéos. Oh, SSJ3. Bah oui, normal, je suis con. On a un SSR garanti. On a le SSR garanti. Putain. Boule d'eau. Goku. Gohan. Goku. Goku. Shinran. Bukolo. Oh, fat bouzer. Tu schlingues, tu schneck. Tu schneck, pop. Ah, j'ai... ma box est pleine là. Ma box est pleine. Un petit ticket pour une multi invocation sur le portail. Ça fait plaisir. Oui. Oui. Ça peut être 3 SSR. C'est tout ou rien. Pas Goku, pas Goku. Oui, c'est bon. Mais non, non, le troll ultime. Le troll ultime. Oh, la blaze. C'est qui? Ah, c'est Gohan. Ouais. On a 3 SSR. Le troll ultime. Oh, 4 SSR. Oh, il est bon Goku là. Ça fait plaisir. Oh, la belle multi là. Et le Goku Kaioken. Ok. Ok, ok. Bon, allez. La multi gratuite. On va faire 200 DS. Hein, donc, on était... 200 DS, ça veut dire que ouais, je vais faire deux cycles. Pour l'instant, je fais deux cycles. Et je ferai la suite en vidéo. Vegeta. Ouh, Vegeta. Non, il fusionnera pas. Ah, on a eu la première fusion au début, ça nous a hypé quand même. Hein. Allez, quelque chose de hypant, hein. Goku SSJ3, SSJ God. SSJ God. Oh là là. Ouais, Zamasu. Ah oh là 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 là. N'a pas. Trunksu. Gohan. Oh non, pas un Ozaru qui pue la merde. T'es sérieux avec ton Ozaru? Bon, là, on a ni les pièces ni les tickets. Forcément, c'est une multi gratuite. Allez, c'est parti pour le deuxième cycle. Yamcha.
tout seul. Bon, Rainbow, on peut peut-être espérer quelqu'un du détecteur. SSJ God ? Non. Pas de SSJ God. Allez ! Goku. Fidel. Doria. Vegeta. Zabon. Goku. Ah, le Vegeta Endurance. Très sympathique. Très sympathique. Ah, donc du coup, deux SSR. Oh, le Satank. Ouh, le doublon du Satank. Parce que j'ai eu sur les portails avec les tickets. Le doublon du Satank. Ça, ça fait plaisir. Ça, ça fait vachement plaisir. Allez, plus que 3 multi. 3 multi pour aller chercher l'exploit. Gohan Piccolo. Détecteur. Ah, t'aurais pu dire Walida. Parce que ça peut être 3. Ça peut être 3. Beaucoup. Puis là. 19. Allez, sors-moi le Goku là. Et on va sur Vegeta. Radit. C'est 16. Oh, le Mihai Gohan. Oh. Et c'était le dernier. Ah non, c'est pas le dernier. Encore une petite chance. Oh, le Switch. Oh, Golden Freezer, je l'ai pas, je suis content. Je suis content, je l'avais pas, Golden Freezer, ça fait quand même plaisir. On peut pas dire, ça fait plaisir. Maintenant, il manque plus qu'à avoir le Goku. Allez, on peut aller chercher, on peut le faire. Allez, mettez vos gros pouces bleus. Mettez plein de pouces bleus pour me donner de la chance. Go, 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 go. Oh, le trio. Ouh, le trio. Portail. Ouh, allez, allez, allez. On visualise tout Goku. On visualise tous Goku. Goku qui va pop. Allez, Goku qui pop. Trunks. Kiwi. Goku. Oh non, encore. Me dis pas que c'était pour lui. C'est 16. C'est 17. C'est 16. Ré-Brian de Château. Brian de Château plutôt. Je l'avais pas. Mais c'est pas ça qu'on cherche. C'est pas ça qu'on cherche. Allez. Dernière multi de la vidéo. Et la prochaine fois, vous aurez la suite dans la deuxième partie. Allez, allez. Quelque chose qui vaut le coup de se hyper là. Un petit Végéto. Un petit Végéto bleu. Végéta. Végéta. Walida. Fusion. Végéto bleu. C'est le LR. C'est le LR. Yes. Que ça soit l'un ou l'autre, je l'ai pas. Yes. Allez, peut-être les deux. Et imaginez, c'est les deux dans la multi. Les deux dans la multi. Végéto LR. Végéto LR. Ah, ça fait plaisir. On peut espérer les deux, hein. La chance est beaucoup moindre, mais on peut espérer les deux. La dernière carte. Ah, le Piccolo, Piccolo Carnage. Bon. On a eu un LR. C'est déjà pas mal. On est assez content. Mais c'est pas ce qu'on cherche. Nous, on veut le Goku pour partir sur le Vegeta.
Bon bah voilà, j'espère que vous aurez apprécié cette première partie des 4 ans. Si c'est le cas, n'hésite pas à lâcher un petit pouce bleu, à lâcher ton commentaire, à t'abonner à la chaîne si le contenu te plaît. On va partir après sur du Let's Play, sur Dragon Quest Builder 2 comme tu as pu voir sur la dernière vidéo. Donc j'espère te voir la prochaine fois pour la suite des invocations sur les 4 ans de Dokkan.